Salut, salut! Ici Annie Grovy et cette fois-ci, je te présente mon tout nouveau livre de la série La vie rêvée de Léon et ses amis et le titre est Une fête parfaite ou presque. Donc, sans plus tarder, je te lis le résumé de l'histoire. Pour célébrer l'anniversaire de leur chère amie Lola, Léon et le chat ont organisé une fête absolument parfaite. Ballons, guirlandes, gâteaux en forme de château, piñata et boules disco. Mais voici que des invités inattendus viennent semer la pagaille. Comment Lola réagira-t-elle en découvrant la catastrophe? Disons que ça n'augure pas très bien. Je te montre quelques images. Alors ici, tout a commencé par des oiseaux qui sont entrés dans la maison et qui ont crevé tous les ballons. Comme tu peux voir, le chat et Léon essaient, tant bien que mal, de les chasser, mais c'est pas vraiment évident. Et pendant ce temps-là, as-tu remarqué aussi qu'il y a des écureuils qui entrent? Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'attaquer à la piñata. Ils vont la percer, manger tous les bonbons. Ah! C'est complètement fou. Il y aura aussi un ours, un singe, un lapin, en tout cas. C'est complètement fou et c'est toute une pagaille, comme je le disais tantôt. Donc voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse le lire. Une fête parfaite ou presque, publiée aux éditions Presse Aventure. Voilà, alors bonne lecture, amuse-toi bien. Bye!